Ah. Il paraît que tu nous as aidés hier. Le sergent voudrait savoir si tu pouvais nous filer encore un coup de main aujourd'hui. Tu peux être d'un grand secours pour cette ville, petit, mais tu dois apprendre à respecter les règles. Parler au détective Harris. Ok, ça marche. Par contre, j'ai vu un petit truc là. Quelqu'un a dit diabète? A plus. A plus. Liste de Vélis. Eh bien, le genre est un peu plus compliqué que ce dont nous avons discuté hier, voyez. Et tu pourrais repasser à mon bureau pour qu'on règle ça. Merci, voyez. D'accord, voyez, ça marche, voyez. Alors, capitaine. Alors, jeune auxiliaire de justice, t'en voilà. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. En fait, l'enflure que t'as eue est tout en bas de l'échelle criminelle. On pense maintenant que le vrai caïd est quelque part par ici. Sur ton téléphone, que j'ai dans la main. Merci de me laisser tenir ton téléphone pour te montrer ça. Il se cache dans le manoir de luxe qu'il s'est payé grâce au malheur des autres, la vermine. Là, ça change de niveau, jeune auxiliaire. Sa maison est une vraie forteresse. Toutes les portes et les fenêtres sont reliées à un système de sécurité de haute technologie. Tu vas avoir besoin de ça. Cet appareil de piratage portable t'aidera à franchir le système de sécurité. Bonne chasse, Gennaro. Merci. C'est peut-être notre jour de chance, super-héros. On dirait que le garde est parti pisser, là. Franchis le portail et fais le tour pour trouver un moyen d'entrer. On est obligé de passer par là. Pas cette fois, monsieur. Foutez le camp ou je vous casse la gueule de manière non létale. Je vais vous cogner jusqu'à la fin de mon service, monsieur. Ah, c'est une micro-agression, ça. Il vient de me traiter de monsieur, alors que moi, je suis un non-genre. Une humiliation, ça suffit. Cette fois, j'ai prévu des renforts. Ouh, il y a des chiens. Vous vous êtes fait enculer! Chopez-le! Du coup, comment on va la jouer? Ça va être un peu. Ruezika! Vous venez juste d'attaquer un agent. Je le sens bien ce coup-là, les mecs. Ça va piquer un peu. D'abord le coup de l'effet saigné, et ensuite le moustique va se rassasier. Attends ta pause casse-croûte, le moustique, je bosse là, moi. Pour le coup, lance un truc comme ça. Dépêche. Ah, je sais pas trop la jouer. Ah, voilà. Je vois ça. Monsieur, je vais vous faire la tête de mon patron. Je sème la justice. C'est parti. Vas-y, B. Écrase. Putain, le chien, on le dégage, mon patron. C'est sur toi. Joli coup, adversaire! Mais Diabète l'emportera! Laisse notre ami tranquille, toi! Je vais le sucer, les mecs! Ouais, attends, réanime, non? Reconstitution de quantité, élimine les effets. Non! Non! Je me suis trompé, punaise. Coulerie en préparation. Il vaudrait mieux appliquer une pression sur ses blessures. Attrapez ce gamin. What? Qu'est-ce qui arrive encore? Oh là là, il nous ramène du monde. À la
acolyte, écrave-le. Ouais. Mais j'ai une idée. On va faire appel. Voyons voir à qui on pourrait faire appel. On va faire appel à ça d'abord. Pour le Valhalla. Pour le Valhalla. Tudun tun 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 tududum. Lâche une bombe. Let's go. Me revoilà. Ah là là. Est-ce qu'il veut encore lui? Ok. Faites que ma cloison nasale ne soit pas redéviée. Il va revenir à tous les combats, lui. C'est un peu relou, je trouve. C'est trop marrant, ces trucs de super-héros. Si seulement j'étais un vrai flic, monsieur. Yo, va pleurer, va pleurer. Putain, la moustique, ressaisis-toi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fais semblant d'avoir mal, mes potes, regarde. Ah, si vous cherchez le Koun, vous en répondrez devant ses amis, pas vrai les mecs? Je prie pour toi, Koun. Non, on a vraiment besoin de soutien. Tes attaques ne font que renforcer ma rage. Encaisse, oh là là. Je suis prêt, et mon pot à insectes aussi. Ouais, faut qu'on soigne tout le monde. Pendant ce temps-là, dans le hall des meilleurs superpotes. Les dettes seront effacées, les esclaves libérés. Ulti-prêt. J'ai le niveau 5e dans mon cours en ligne, t'es foutu. Voilà, comme ça au moins on peut attaquer tout le monde là, du coup, avec le Koun. C'était pas pour les âmes sensibles. Je compte sur ton partenaire. En fait, je pense que je vais retirer Moustique de ma team. Il est nul. Il sert pas à grand chose. Les amphires ne sont pas de taille contre nous. Attends-toi à perdre la face. Voilà. On va pouvoir. Merde, frappe-le. Merde, j'ai merdé total. Au moins, ils peuvent pas attaquer. Non. On les marave. Il va avoir droit à prélèvement de sang. Non, ça sert à rien. Fin de tour. Chaud devant. Ah, prends ça, racaille. Là, je saigne par tous les trous. Viens. Oh. Hé, hey, j'ai pas fini de payer cet uniforme. Tu vas souffrir. Viens nous aider. Bon, c'est bon, on va gagner. À mon tour. Qui a envie d'une trompe dans le cul? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, cette douleur vaut pas 21 000 dollars par an. Dégoupille. Hein, ça fait plaisir de sortir les jouets d'adultes. Et voilà.
La moulinette est en marche. Bien joué. On a déjà éliminé une petite partie des individus. Putain, il est grand le jardin. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs cachés derrière? Je sais pas. Ouais, ok, là il n'y a rien. De ce côté-ci. Un gars, il fait tout le tour pour un sac à la con là. Et voilà, on va pouvoir rentrer dans la maison. Réponds au téléphone et utilise son appareil de pirate. Je suis Jeff de Wolf Home Security. Est-ce que tout va bien? Bonjour. Oui, pardon, j'habite ici et je ne me souviens plus du code pour arrêter cette putain d'alarme. Oh, pas de soucis, monsieur. Est-ce que vous pouvez me donner le code de sécurité? Est-ce que tout va bien? Ouais, tout va bien. Ouais, c'est chaud. Vous m'entendez? Ah mince! Vite, vite! Oui, bien entendu, je l'ai ici. Attendez une seconde. Ah, flûte, laissez-moi regarder. Ah, pas le bon tiroir. Pouvez-vous attendre une petite minute, désolé. Pas de problème. Vite, on continue le piratage. Hop. Une petite minute, s'il vous plaît. Auriez-vous noté le mot de passe quelque part, sur un carnet ou un bloc, par exemple? Oui, je dois l'avoir quelque part. Attendez, je vais regarder dans ce tiroir-là. Oh, il faudrait que je mette la main sur mes lunettes. C'est quoi ce piratage à la con, là? Une petite minute, s'il vous plaît. Hacker d'élite. C'est peut-être mon deuxième prénom. Vous pourriez essayer avec mon deuxième prénom? Ok, vous savez quoi, monsieur? On va regarder votre profil de compte et je vais vous donner un nouveau mot de passe. Si vous voulez bien patienter... Et voilà, on est refait. Ne te laisse pas avoir par ces tentatives d'intelligence moyennement éduquée. C'est un grand classique. Ah ah. On n'a toujours pas... pour pouvoir rentrer dedans. Ici, on pourra sortir. Tu te rappelles, Trapper Keeper? Sûr, je me rappelle. Oh ouais, j'adore. Putain, y a de quoi se faire. On se refait là. On continue d'avancer. Combinaison du casier de token. Cool. On va pouvoir retourner dans l'école, je pense. Ouais. Ok. Attention avec celui-là, héros. C'est un coriace. Choisis bien ton moment. Eh, hey, t'es qui, toi? T'as pas le droit d'entrer comme ça. Vas-y, go, go, go! Vas-y, go, go, go! Bah, on est un peu dans la merde. J'ai un système de sécurité.
Tiens. Mais que fait la police? Comment la dé... C'est moi la police, gros. Étranglement. Et voilà, c'est gagné. C'est pas trop compliqué. Excellent travail, héros. Tu as tout compris au programme. Tu as assimilé ce qu'on fait et tu joins tes forces aux nôtres. Retrouve-moi au poste. J'ai quelque chose pour toi. Wesh, tu pouvais pas m'amener aussi, là? Merci d'avoir arrêté Skaïd, jeune auxiliaire de justice. Si seulement on avait une centaine de policiers comme toi... Yes, bouclier de l'aigle étincelant. C'est bon, on peut faire le selfie? T'as du cran, combattant du crime, je te l'accorde. Allez, viens par là, c'est l'heure du selfie. Youpi! Youpi! Ah, je peux te surveiller sur Kunstagram maintenant. Erreur de débutant, super-héros. T'as porté atteinte à ses droits civiques avec enthousiasme. Tu ferais un super flic. Yes. Du coup, on va un peu changer. Voyons voir si l'artefact est pas mal. Mais bien sûr qu'il est pas mal. Non, on a rien d'autre. Rien d'autre. Ah, au niveau 6, on aura 7 heures. Oh, petit truc aussi. On va changer de costume. Vas-y, on va mettre le licorne. Je crois que ça passe bien, ça. Même ça, ça passe bien aussi. Hop, les mains. Ok. Voilà. Super, merci d'être venu. Assieds-toi. D'accord. Bien, j'ai eu quelques retours du principal sur le fait que notre discussion sur le sexe, je veux dire le genre, n'était pas assez précise. Eh bien, il m'a donné quelques instructions pour conduire un examen plus détaillé concernant l'identification de ton genre. Voyez, t'identifies-tu aujourd'hui au genre qui t'a été attribué à la naissance? Voyez. Allez, on va dire... Cette fois, on va dire féminin. Oh, super, vous me voyez. Alors, comme tu le sais, ça veut dire que tu es cisgenre. D'accord, super, vous me voyez. Maintenant, il faut qu'on parle un peu de ta sexualité. Beaucoup de gens pensent que le genre et la sexualité, c'est la même chose. Mais non, ça n'est pas ça. C'est pas bien, vous me voyez. Alors, comment décrirais-tu le sexe des gens que tu trouves sexuellement attirants? Garçon, fille, personne, tout le monde. Personne ou tout le monde? Tout le monde, allez. Tous. Vous voyez, ressens-tu une attirance pour les deux genres binaires, masculin et féminin, ou pour les genres multiples dépassant les définitions binaires? Vous voyez. Binaire, multiple. Vas-y, on va dire multiple. Ah, d'accord. Ressens-tu une attirance sexuelle envers certains genres ou tous les genres? Si, cette fois on dirait certains. Oui. Polysexuel alors. D'accord. Voyez. Non. Fille, c'est genre polysexuel. Eh bien, dès que t'en auras... Vas-y, on va dire oui.
Bien, tu me vois ravi d'avoir eu cette petite conversation. Fais attention à toi, vous voyez, parce qu'il y a pas mal de gens dans le monde qui ne vont pas t'accepter comme tu es, et tu vas devoir faire avec, vous voyez, bon... Mais reviens voir quand tu veux. Ça, c'est un peu n'importe quoi, ces questions-là, gros. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, la nouvelle? La nouvelle. Ah, putain. Alors, qu'est-ce qui va se passer, du coup? Hey, c'est cette nana-là. Ouais, Yel est cisgenre. Et Yel est polysexualiste en plus. On n'aime pas trop les gens dans ton genre dans le coin. Souhaitons la bienvenue à ça. Ah, excellent. Putain, c'est pour ça que je voulais mettre n'importe quoi. On n'aime pas trop les gens dans ton genre dans le coin. On n'aime pas trop les gens dans ton genre dans le coin. La... Amérique. On veut plus de trucs comme ça, du petit trou. J'ai même pas envie de mordre ces connards. Je vais être torché à ce temps dans les bords. N'aie pas peur, insecte man. C'est qu'un avant-goût de ton futur. Insecte man, il a dit, bâtard. Le vieux coup de l'échange. Bien joué, le moustique. Non. Oula, l'approche. Ouais. Watch. S'il ne voulait pas finir dans cet état, j'aurais dû le tirer. Mais revoilà. Oh là là, il casse les couilles, lui. Seigneur, non. Encore. Nya. Oh non, mes lunettes. Je vous en prie. T'en as rien vu, mais il a fait encore une bêtise. Cogne quelqu'un pour le coup, Duc du Trou. Vas-y, toi. Et un coup pour le vif-tif. Nada. Personne ne résiste à Capitaine Diabète. Place à Diabète. On pourra peut-être être copains quand tu sortiras des soins d'attentif. Je te fesserai comme jamais ton papa ne l'a fait. Arrête de déconner, trop duc. Il va avoir droit à prélèvement de sang. Du sang frais. Bonne nuit. Qui est prêt à se faire amputer? Place au coon. Place au coon. Tu l'as senti, le braquemar de la justice? Oh, le bâtard. Éclate-la, trou duc. Non. Bien joué, trou duc. Faites place à Diabète. C'est bon, on a gagné. Vous avez perdu, les méchants.